et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous voici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur, tandis que nous accueillons notre nouveau curé. Le nouveau curé de la paroisse Saint-Face de Wandjili-Fogou est M. l'abbé Alphonse Tachimbouba, sacré pour les intimes. Il est né à Pointe-Noire le 24 novembre 1958, dans le quartier du Grand Marché, territoire de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Fils de papa Feu Tati Alphonse et de maman Feu Tomber Lumingu Rosine. Il est entré au petit séminaire Notre-Dame de Luango le 23 septembre 1973, en classe de 5e. Il est le seul rescapé de cette promotion de 1973, rejoint en 1974, en classe de 4e, par son meilleur ami, l'abbé Eustache de Paris Ndongi. Après le baccalauréat obtenu du cours au séminaire de Luango, il est entré au grand séminaire Cardinal Émile Biayenda de Brazzaville en septembre 1979. De là, il obtient le diplôme d'études religieuses supérieures en juin 1981 au terme du premier cycle de philosophie et le baccalauréat de théologie en juin 1985. Il a été ordonné diacre en décembre 1984 à la basilique Sainte-Anne du Congo à Brazzaville par Mgr Ernest Bobo, d'heureuse mémoire, alors évêque de Kinshasa, de Mali. Par la suite, il a été ordonné prêtre à Pointe-Noire le 14 juillet 1985 sous les lampadaires Manguier de Saint-Pierre par Mgr Godefroy Émile Boitch, d'heureuse mémoire, premier évêque diocésain de Pointe-Noire, ensemble avec les abbés Eustache Evariste Ndongi et Jean-Michel Titembo. Dans les années 1985 à 1986, le diocèse de Pointe-Noire, qui à l'époque comptait 4 régions, le Guilou, le Niari, la Bouenza, la Lécoumou, traversait une période charnière de la prise en main progressive de son destin par les fils du pays. Seul 4 prêtres diocésains étaient en activité à Pointe-Noire. Ainsi, dès l'instant de son ordination, l'abbé Alphonse Tachimbouba, comme tous les autres, devait assurer plusieurs charges à la fois. Il était nommé curé de la paroisse Notre-Dame et des annexes de Wandjili-District, actuel Christ-Roi, Wandjili village, ici à Sainte-Face, Chimbamba et Pita. Comme les dossiers est lié directement au secrétariat de Mgr Godefroy Émile Boitch, il était en même temps aumônier diocésain du renouveau charismatique et directeur de l'imprimerie Saint-Joseph qu'il réussit à sauver de la faillite et du dépôt de bilan. Pendant l'année 1988, il se décharge de l'imprimerie Saint-Joseph, mais à la place, il assure la charge du directeur par intérim du séminaire Notre-Dame de Luango, en plus de ses multiples charges habituelles. En septembre 1989, il est envoyé à Rome pour les études de spécialisation en théologie dogmatique, grâce à une bourse d'études de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Docteur en théologie dogmatique à Rome
en juin 1993, grâce à une autre bourse d'études, il est admis comme étudiant à l'Institut Afro-Asiatique de Graz, deuxième ville d'Autriche, pour l'étude de la langue allemande, et nommé en même temps vicaire de la paroisse de Egersdorf dans le diocèse de Graz. Une année après, il revient en Italie et est nommé vicaire de paroisse de Montefiascone dans le diocèse de Viterbo. En 1995, Monseigneur Jean-Claude Macaya Louéba devient évêque de Pointe-Noire et lui demande de rentrer au diocèse. Par obéissance, il rentre le 1er novembre 1995 à Pointe-Noire. Il est nommé curé de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre et économe diocésain. Pour aller vite, voici la chronologie de la suite de son parcours. En septembre 1999, il quitte Saint-Pierre et redevient pour la deuxième fois curé de la paroisse Notre-Dame de Pointe-Noire. En même temps, au niveau national et international, il est nommé directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Congo en 1998, succédé à cette charge par Mgr Ntsayi en 2001. Secrétaire général de la Conférence des évêques du Congo de 2001 à 2012. En même temps, professeur de théologie dogmatique, création et sacrement et eschatologie au Grand Séminaire Cardinal Émile Kayenda de Brazzaville. Secrétaire général par intérim de la CERAC, Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Tchad, de 2006 à 2008, suite au décès de l'abbé François de Paul Moutarda, titulaire du poste. En octobre 2012, il est reparti en France théoriquement pour une année sabbatique, mais il y a passé 12 ans très sollicité à cause du manque de prêtres. D'abord en Normandie, dans le diocèse de Coutances, comme vicaire à la basilique Sainte-Trinité de Cherbourg, puis curé de la paroisse Notre-Dame du Travail, toujours à Cherbourg. Il profite de ses journées sabbatiques hebdomadaires pour s'inscrire au Centre de formation continue de Cherbourg, où il obtient un diplôme en comptabilité et gestion. En 2016, il quitte le diocèse de Coutances pour le diocèse de Pontoise, en région parisienne, comme vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Argenteuil, puis une année après, comme curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Sannois, sa dernière mission en France. C'est de là qu'il a reçu l'appel de notre archevêque à entrer au Bercail, où il a été nommé curé de notre belle et modeste paroisse Sainte-Face de Jésus de Moigny-Faubourg, la paix du Christ. Amen. Il est entré par obéissance et se dispose à servir le peuple de Dieu dans la joie de l'Évangile. Monsieur l'abbé Alphonse Tadjimboufa, appelé affectueusement Yah Sacré, tout prêtre diocésain que vous êtes, nous savons que vous êtes passionné par la coopération missionnaire. Mais cette fois-ci, reste avec nous pour nous aider à bâtir l'Église, peuple de Dieu, sur l'ensemble du territoire paroissial de Sainte-Face de Jésus. Monsieur le curé et doyen du secteur B, notre ancien professeur de dogmatique au Grand Séminaire, soyez le bienvenu dans notre paroisse. La paix du Christ. Amen. Le décret de nomination de l'abbé Alphonse Tati Zumba.
2022, NAO, ALPN, portant nomination du curé de la paroisse Sainte-Face de Jésus, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Vu la circulaire du 11 août 2022, portant publication des charges pastorales de l'archidiocèse de Pointe-Noire 2022-2023, et attestant la nomination de l'abbé Alphonse Tati Bouba comme curé de la paroisse Sainte-Face de Jésus. Vu le canon 521, les paragraphes 1, 2 et 3 sur la désignation, la doctrine remarquable, les bonnes mœurs et l'idonéité du curé. Vu le canon 522 sur la stabilité du curé dans la paroisse. Vu le canon 527 sur la réception et l'exercice de la charge du curé. Décret. Article numéro 1. L'abbé Alphonse Tati Bouba, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire depuis le 14 juillet 1985, exerçant jusqu'avant cette nomination la charge de curé à la paroisse Saint-Pierre de Paul de Salon de l'Église de Pontoise, est nommé curé de la paroisse Sainte-Face de Jésus de l'Angélique-Faubourg. Article 2. La prise de possession canonique se fera le jour de la lecture de ce décret. Article numéro 3. Le nouveau curé émettra personnellement la profession de foi selon la formule approuvée par le Saint-Siège contemplé au canon 833, paragraphe 6. Article 4. Le présent décret entre en vigueur à compter de sa date de signature. C'est à Pointe-Noire, le 1er novembre 2022. Signé par Mgr Miguel Angel Olavéry, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, et l'abbé Alain Guampouillou, chancelier. Acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Sainte-Face de Jésus pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église? Oui, je l'accepte. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel, le Tout-Puissant, qui nous donne de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui viennent avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu.
Veuillez vous asseoir. Évangile. Le royaume des cieux est là pour les pauvres, les affligés et les humbles. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, levons-nous pour acclamer et écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que tu as la mission d'annoncer, sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. L'immense
cortège de ceux qui t'ont cherché, Seigneur. L'un des anciens prit la parole et dit, tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je lui réponds, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Ce peuple immense est en route vers la félicité céleste, vers le royaume de Dieu. Oh, il se greffera sur l'éternité de celui qui seul sait combler le vide infini de nos cœurs. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, c'est une grande fête aujourd'hui, surtout pour nous les chrétiens, l'une des plus grandes fêtes qui nous permet de célébrer deux événements en un. Célébrer les saints du ciel qui désormais vivent et célèbrent la vie éternelle auprès de Dieu notre Père. Et naturellement, les saints de la terre que nous sommes, puisque notre vocation à tous et chacun, c'est la sainteté de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre sa sainteté et nous greffer sur son éternité. Il n'y a pas d'autre alternative sinon vivre la foi, l'espérance et l'amour, en sachant que à la fin, nous nous greffons sur celui qui seul sait combler le vide infini de nos cœurs. Qui s'en avait au lionso, vocation avec le lion, se dit car il y avait le lion, ni Koukouta, ou Santour. Ceux qui nous ont précédés, que nous reconnaissons comme saints, retenus par l'Église et reconnus par l'Église, et ceux qui nous ont précédés, membres de nos familles, il y a plein de saints parmi nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui nous ont précédés et qui ont vécu saintement. Et aussi, il siège à la droite du Père, où il chante en permanence la gloire de Dieu et intercède continuellement pour nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre. Leur sainteté a consisté simplement à vivre l'Évangile, à être instrument de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Ils ont essayé, autant que faire se peut, de revêtir le Christ, de faire de leur vie devenue christocentrique, centrée sur le Christ, maître et sauveur de l'humanité. Chacun de nous ici, moi le premier, a un saint ou une sainte patronne. Revisitons la vie de tous ces saints. Et nous verrons que chacun a essayé d'intégrer une particularité de la vie du Christ. Dans des nombreux dons, nombreuses grâces, ma carrière dans un vide de salaire, mille amis, Ikabouya Luzolo, Ikabouya Bukabula, Lukabu ya Mayele, Lukabu ya Kutunga, Makabu Keleni, la paix du Christ. Amen. Mais sans unissant tout, mais Kegela, Lukabu Moussi, Inamessa la tienne du Rwanda, Inamaya Zulu, en portant naturellement les couleurs du ciel. Être saint n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Être saint, c'est vivre après jour la volonté de Dieu et faire à ce que nous soyons reconnus comme instruments du ciel au service de la terre des hommes. Un papa qui s'occupe bien de ses enfants,
qu'une maman qui s'occupe bien de sa famille, un enfant qui fait bien ses devoirs, ce sont des saints. Nous sommes tentés par le malin qui essaie de nous embrouiller pour nous détourner de l'essentiel. Et c'est là où la Toussaint devient une fête qui est l'aspiration de tous et de chacun. Imaginez-vous deux frères, trois frères, quatre frères d'une même famille. S'ils se mettaient ensemble, quelle grâce, quel épanouissement, quelle réalisation pouvait sortir de là. Mais Satan se met au milieu pour diviser les frères, pour diviser les sœurs, afin que le bien ne se fasse pas. Quelle grâce si chacun de nous pouvait être le gardien de son frère, la gardienne de sa sœur. Et nous avons produit, malheureusement, la division, le mensonge, tout ce qui empêche à Dieu de s'établir dans ce monde. Et malheureusement, un royaume divisé est déjà voué à la perte. Que chacun de nous soit le premier. Essaie de faire comme une introspection. En vue d'une métanéa profonde pour dire, Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Quel est mon don? Quel est mon charisme? Dit à vous, il dit, il a fait du Christ. Amen. Quand il dit à vous, il a fait du Christ, il a dit à vous, il a fait du Christ. Amen. Dieu nous a créés pour être les bienfaiteurs et les bienfaiteurs de l'humanité. Celui qui est loin de l'amour de Dieu et du prochain est loin du ciel de Dieu. Il y a une vous, carré, ça vous tient qui est levé dans le monde, car vous savez là, nous sommes là, tata, tani. Quand la zone a été là, quand Dieu se lève la coudia, quand on est là, quand on est dans le corps, quand on est là, quand on est là, vous savez là, quand on est là, quand on est là, il y a des gens qui sont là, mais vous, la paix du Christ. Amen. Il y a des gens qui sont là, et Dieu ne fait rien au hasard, l'enfant ou par hasard. Est-ce que ça l'a qu'un nionso? Nionso, ça nous dit, quand les avant nous coûteront là. Bête de nionso, il n'a qu'elle est à voir, bête de l'état pour ta poussant, pour la paix du Christ. Amen. Bête de panama pour ta poussant, pour la paix du Christ. Amen. Et que nous avons dit, nous devons nous commander la sang, pour la paix du Christ. Amen. Parce que Dieu n'a pas terre, mais il y a bientôt. Mais nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Le même pouvoir que ces prêtres installés, c'était de Nyonso. Montre à Fioti, Nami Siazami, Ikelebe. Mais de Nyonso, nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. La différence, c'est le sacrement de l'ordre qui permet aujourd'hui à l'année Alphonse, au nom de l'Église, de gérer cette paroisse. Mais la grâce de Dieu, que Dieu a enfoui en nous, est une grâce commune, une grâce qui nous permet de communier pour participer à la civilisation de l'amour. Sois instrument de l'amour de Dieu. Fais du bien et le Seigneur non seulement t'élèvera, mais te gratifiera à la hauteur des saints de Dieu. Baïna Zamba Mouzola, Zambilenda Vika Baobé, Zambilenda Losa Baobé, Lam Zambilenda Talisa Baobé, la paix du Christ. Amen. Sanctuame Mouata, Mouyunga, Yazulu, le Seigneur les reconnaît à travers les petits pas d'amour que nous posons. Un petit sourire, un verre d'eau, une petite visite, un clin d'œil,
Des petites choses, rien du tout, nous élèvent à la dimension de la sainteté de Dieu. En cette fête de la Toussaint, prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être déjà en communion avec tous ceux qui nous ont précédés. Frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés, ils sont là, là où ils sont, ils nous voient. Ils sont heureux de nous voir en route vers la sainteté de Dieu. Ils sont tristes de nous voir dispersés, embrouillés, renversés par tout ce qui n'est pas de Dieu. Il investit pour que ses enfants soient bien après lui. Et curieusement, dès qu'il s'en va, la famille est divisée, les enfants sont prévus. Ils arrivent même à vendre ce que lui-même n'avait pas vendu. La paix du Christ. Comment voulez-vous que Dieu puisse aider ce genre de personnes à prospérer et à vivre leur ciel sur la terre des vivants? Que chacun de nous, moi le premier, en cette fête des saints, demande à ceux qui nous ont précédés de nous inspirer ce qui est bon devant Dieu et devant les hommes. Nous inspirons en nous donnant simplement de nous mettre en chemin pour rendre meilleur la vie que nous avons l'habitude de cacher. Chers frères et sœurs, la vraie équation que même les économistes, les grands politiciens, les grands hommes de la terre ne peuvent pas dépasser, c'est l'amour. Dès qu'il y a l'amour, tout est permis et tout est acquis. Parce que la civilisation de l'amour donne à chacun de vivre son ciel sur la terre des vivants. Les indifférences, les conflits, tout ce qui empêche l'homme d'être à la dimension du ciel disparaissent. C'est pour cela que nous avons à nous greffer sur ceux qui nous ont précédés, afin qu'à leur exemple et à l'exemple du Christ, nous puissions embrasser la sainteté de Dieu. Maman, si Caïn en a quatre édicants, là-bas, il n'a plus un avec tiens jeune, là où il y a les antivaleurs, retire-toi. Tata, si là, il y a des membres, il y a une bica. Et le Seigneur t'aidera, autant que faire se peut, à t'élever à la dimension du ciel, à être témoin de son évangile, esclave de son amour et de sa miséricorde. Le monde peut être sauvé si chacun de nous, moi le premier, faisait l'effort d'adhérer à la sainteté de Dieu. Nous ne nous estimons pas, nous sommes des perles précieuses que le Seigneur a fait don à l'humanité. Surtout Satan te dira, mais je partage trop, je deviens trop, mais ça veut dire quoi? Ne suis pas le malin. Le Seigneur donne sans compter. Il nous demande de donner sans compter parce qu'il nous rend au centuple à chaque pas d'amour que nous faisons. Et l'évangile de Matthieu, le dimanche passé, que j'ai suivi à Kinshasa avec des milliers de jeunes postovites, Monseigneur Carlos Daga, évêque auxiliaire de Kinshasa et du Père Général, que cet article disait, soyez comme Zachée qui s'est élevé à la dimension du ciel pour permettre au Seigneur d'achever en lui ce qu'il a si bien commencé. Puisse le Seigneur nous donner de célébrer la Toussaint comme notre fête. Nous tous qui aspirons à son ciel. La Toussaint, ce n'est pas la fête des hommes précédés seulement. La Toussaint, c'est notre fête. Essayons de nous asseoir, de méditer et de voir. Yiki, l'aime la salati,
kulela kubuta kusanto vela pedekista. Nous sommes dans la terre, nous sommes dans la terre, nous sommes dans la terre, nous sommes dans la don de guérison. Et même pendant que l'homme a bongo, donné débat. Parce que Dieu lui a donné gratuitement, il a voulu en faire un fonds de commerce et un débat. Zambi ne peut s'en émailler là, peut sa pointe dans la bague. Zambi ne peut s'en émailler nous autres, peut sa pointe dans la bague. Zambi ne peut s'en émailler l'enda, yakou kuna di boudou, peut sa pointe dans la bague. Baba il y a été à dire, Yangé, qu'est-ce qu'on le Seigneur te donnera davantage tous les jours de ta vie. Et les gens seraient étonnés de voir comment il est épanoui, comment il est heureux, comment il brille de la brillance du ciel. Parce que simplement, il a essayé de faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous vivons de plus en plus, le mensonge, la calomnie, la tricherie, tout ce que vous pouvez imaginer, sont en train de gangréner notre pays. Mais il y a possibilité à travers nous, les saints, de freiner cette catastrophe en créant un boulevard d'amour qui promettra au Seigneur de récupérer et de sauver notre pays. Parce que celui qui en est le Créateur, à lui honneur et gloire pour les siècles sans fin. J'aime bien le redire, je le redis ce matin pour terminer. Chacun de nous, moi le premier, s'il veut célébrer la vie pour être un instrument du ciel de Dieu, a trois choses à faire. Mettre au monde un enfant. Écrire un livre, construire et puis planter un arbre. Mais comment on est un enfant, mes confrères vont me dire comment on va faire. Bananingi, qui n'a pas été, qui n'a pas trouvé, qui n'a pas été, 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 la paix de Christ. Il y a beaucoup dans les familles qui ont élevé les enfants qui ne les appartiennent pas. Je ne peux pas vous dire combien d'enfants j'ai aujourd'hui, qui sont aux études, qui ne vivent que grâce aux petits pas d'amour que nous pouvons poser tous, mes confrères et moi, et vous avec nous. Et le Seigneur aime bien ce qui met au monde des enfants. Elle n'est pas comme moi, Naïna, qui sentait que sa vie était finie. Il devient quelqu'un dans la société. Et c'est une joie énormément pour le ciel et la terre de voir quelqu'un comme ça s'épanouir et se mettre résolument au service de Dieu et de ses frères. Que chacun de nous cherche autour de lui. Que chacun de nous fasse le mot pour savoir est-ce que j'ai déjà donné la vie à un enfant. J'étais en difficulté après avoir enterré une post-covid. Et un jeune est venu me voir et me dit, mon père, je sais que tu veux repartir en France. Je ne peux plus repartir, j'ai plus de billets. Il est allé me prendre un billet. Un jeune, un billet d'1,1 million. Il dit, je suis du pôle. Tu m'as pris, tu m'as envoyé aux études. Aujourd'hui, je suis devenu un grand cadre de banque. Qu'est-ce que je ne dois pas te donner? Je n'avais pas demandé, je n'avais même pas le droit de demander. Mais j'ai été heureux de voir ce garçon aujourd'hui. C'est vrai, je l'ai vu. Il était tellement brillant, je l'ai choisi. Il dit, prépare tes affaires, on fait un CIV, vous quatre, vous allez à Abidjan. Ils ont voyagé avec des habits mouillés dans leur en soute, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'imaginaient même pas qu'un jour ils pouvaient étudier. Et le Seigneur donne à chacun la possibilité. Il y a tellement des enfants intelligents qui ont besoin d'être mis au monde. Et c'est là le lieu de notre sainteté. La deuxième chose, écrire un livre. Écrire un livre, ce n'est pas seulement avoir un doctorat en dogmatique, mais imprimer dans le monde une pensée, une manière d'être, un comportement, une dynamique.
J'ai rencontré quelqu'un quand j'étais encore jeune prêtre. À chaque fois, il disait, comment allez-vous, grand? Il disait, je vais bien grâce à Dieu. Et depuis ce jour, j'ai intégré cela. Et quand mon Seigneur portait, il dit, c'est pas la peine de te demander, tu vas toujours bien. Mais c'est une prière puissante. Parce que tu confies tout au Seigneur. Tu ne te plains plus, c'est le Seigneur qui fait. Il y a des lois qui ont été faites, la loi porte là. Et il y a des comportements, il y a des dynamiques que chacun de nous peut créer. Et qui la livre? Et les générations futures se diront, mais si je me comporte comme ceci, c'est grâce à mon père, grâce à ma mère, grâce à mon frère, grâce à telle personne. Et on dira en notre langue, Nao Vissia, il ressemble à son père. Il marche comme son père, il parle comme son père, il se comporte comme sa mère. Parce que papa a écrit un livre et ce livre se greffe sur l'éternité de Dieu. Et j'étais très heureux avant-hier d'être avec tous les moscovites à Kinshasa. Il était plus de 1500. Le livre a été écrit dans cette dynamique de la prière, du courage et du travail. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, dans le charisme qui est le nôtre, quel livre avons-nous écrit? Est-ce que nos filles savent préparer, savent faire de la couture? Ne fût-ce que le point de côté, le point de croix, lancé, rempli, ourlé. Moi j'ai appris de ma mère. Elle a écrit un livre dans mes mains et dans mon cœur, la paix du Christ. Amen. Et la troisième chose, planter un arbre. Et figuier, c'est difficile à planter, à trouver, mais il y a plein d'arbres. Kupika moi Kima, moi Pantiaï, moi Potoyaï, moi Isoyaï, Tata Dika Kassamunaban, la paix de Christ. Amen. Vous mettez ça l'alliance pour que, même après mon départ, il y ait des symboles de ma présence, cette présence qui fera de moi éternel dans mon milieu de vie. Planter un arbre, c'est capable. Voilà, nous étions curés ici, nous avons fait cette dalle. On est parti, aujourd'hui c'est l'une des plus grandes églises du diocèse. Voilà l'arbre qu'on a planté. Les générations futures ne se rendront même pas compte de ce qui a été fait. Tracé par Papa Moti Kouati, Papa Jean Kouati. Une semaine, jour et nuit, nous avons coulé cette dalle à la main. Les papas sont allés, ils sont au ciel de Dieu, mais désormais, le Seigneur se souvient, ils ont planté un arbre parce que beaucoup de générations, sans se rendre compte, bénéficient du fruit de leur travail. Prions donc, frères et sœurs, en cette fête des saints du ciel et de la terre, que le Seigneur nous donne de nous élever et que rien ne puisse nous empêcher de nous élever à la dimension du ciel. Si tu as une abandon, tu l'as compris ça, Zandike Yidika. Si tu as une abandon, tu l'as Zandike Bakisa. Si tu as une abandon, tu l'as compris ça, Zandike Pesaba ou Kibéli. À vous. Restez assis. À chaque nouvelle nomination pastorale, l'Église demande que le curé renouvelle son engagement de foi et naturellement de sainteté. J'invite donc l'abbé Alphonse Tati Mbumba à s'approcher de l'autel et à proclamer la foi de l'Église catholique. Et j'invite l'Assemblée à y être assis, associée. Moi, Abbé Alphonse Tati Mbumba, une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la croix pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec ma foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Amen. Amen. Le président du conseil et le modérateur du conseil pour les affaires économiques. Alphonse Tati Mbumba, je vous remets ces clés, rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison et dans la sainteté de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ce lieu sacré et de sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci.
des lieux de sa pastorale, les objets liturgiques de sa fonction presbytérale, c'est-à-dire le siège de président, l'ambon portant le livre de la parole de Dieu, l'autel et le tabernacle, suivant dans la prière. Cher abbé Alphonse Tati Bumba, qui a sacré notre aîné dans la foi et dans le sacerdoce, je vous remets ce siège de présidence. Il signifie votre mission de présider l'assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, avec piété et selon le rite de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yeah.
d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Donna à ses disciples en disant : Prenez.
ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens, l'héritage promis avec les élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec son serviteur, notre pape François, notre évêque Miguel, ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour nos frères et sœurs de faim, pour nos frères et sœurs dont nous avons cité les noms ces jours-ci, ce matin, demain soir, nous implorons ta bonté. Tu les connais, Seigneur, mieux que nous. Nous voulons joindre à cette immense, à ce cortège, Seigneur, ta servante Marguerite Dupuis, Louis Raymond et Auguste Gomez, Marie-Louise Louébé, Ngombi, Elisabeth et Jean Massy, Sophie Taombo, Moenia, tous les défunts des familles, Niali, Gomez, Dupuis, Mané, Massé, Makakouakoua, Yombi, Jean-Robert Dupuis, François, Annie Tibinda, François et Annie Tibinda, François Poiti, famille Michel Mongol, Elouma, Bouyou Georges, Rizé, enfant, Oboma. Sur le tous enfants, nous implorons ta bonté pour toutes les personnes qui se recommandent à notre prière ce matin, pour te rendre grâce, Christine et Alain Roux, Vincent, Alexis, Gomez, qui te rend grâce, Seigneur, pour ces 67 ans d'existence de la vie que tu lui donnes, te rendant grâce pour Marcel, Roger, Niali Gomez, enfants et petits-enfants. Accueille tous nos défunts dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et mon épée
prendre l'abri du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Thank you.
Dieu le Seigneur Saint, toi que nous adorons dans tous les saints, nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cadreur, le vicaire général, c'est un service, mais le droit d'aînesse est sacré. Donc ne compte pas sur moi pour faire quoi que ce soit. Je sais à qui j'ai affaire, je sais qui est devant moi. Mais il fallait qu'il vienne, parce qu'il commençait à manquer d'aînés dans le diocèse. Et sa présence va régler énormément de choses, tenant compte de son expérience et de sa proximité du clergé de Pointe-Noire. C'est pour cela, c'est une très grande joie pour nous de l'accueillir. Mon Père, au nom de mon Seigneur, notre évêque, soyez les bienvenus. Il était mon encadreur en stage, il a été dit, et une fois, je l'ai surpris en train d'engueuler le chauffeur. Il n'est pas plus tard. Il a dit une phrase qui m'a marqué, même traumatisé. Le chauffeur avait l'habitude de prendre des gens, d'aller se promener. Il amenait le pain en retard, il faisait des choses bizarres. Et il a appelé, il lui a dit, tu sais que le chien du roi, c'est le roi des chiens. Mais fais attention à toi, le jour où le roi se fâche, tu ne vas pas le reconnaître. Et j'ai entendu, cela m'a permis de me mettre à ma place et d'éviter qu'ils me redisent la même chose. C'est-à-dire, durant tout le stage, j'ai tout fait pour qu'ils ne m'engueulent pas. Et les enfants mangent, j'attends, quelle que soit la crise, et surtout qu'ils ne soient pas dépassés par la mission. Ce n'était pas normal, un jeune prêtre curé, responsable à l'évêché, directeur du séminaire, il rentrait fatigué à Pointe-Noire. Il fallait tout faire pour qu'il soit en paix et à l'aise. Et je crois que c'est cette collaboration qui va continuer maintenant. En tout cas, mon père, soyez rassuré que vous êtes devant vos frères et vos cadets, et cette mystique devant Dieu sera éternelle. Merci encore. Au vicaire, ils sont deux. Commencez par aimer votre curé, obéissez et mettez-vous à l'école. L'évêque a choisi une très bonne équipe pour la paroisse Sainte-Passe. On ne pouvait pas choisir Dieu. Et participant un peu à la charge épiscopale de Mgr Miguel, nous sommes fiers de cette équipe. Ça dépend de la manière dont vous vous mettrez à l'école. L'abbé Christian et l'abbé Arnaud, aimez votre curé et surtout mettez-vous à l'école. Vous aurez tout à gagner à obéir qu'à résister à la grâce que le Seigneur vous offre à travers sa personne. Quant au peuple de Dieu, la même chose. Aimez vos curés et aimez vos prêtres. Tangu ina letre luxaka na kutoka bao, ya que le tangu ya musambu. S'il y a un problème, celui qui les a choisis, qui les a consacrés, c'est Dieu. Adressez-vous à Dieu s'ils ont déconné. Mais prendre le temps
Priez pour eux, afin que le Seigneur leur donne d'être des prêtres selon son cœur. Et à chaque fois que vous priez pour un prêtre, le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous purifie, le Seigneur vous sanctifie. À vous. Arrêtez. Donc, l'anniversaire en langue, ça se dit Nsangu Lubutulu. Le boss, hein? Nsangu Lubutulu. Donc, joyeux anniversaire, mon anniversaire, c'est quoi? On boti Nsangu Lubutulu. Ensemble, on boti Nsangu Lubutulu. Maintenant, vous dites Jewa Kubuai. Non, c'est pas Kubuai. Jewu Kutulu. C'est l'imparfait, non? Jewu Kutulu. Donc, je peux chanter. Merci, Mathias. Vous ne savez pas le chant de terre, s'il vous plaît. Non, attendez, je chante une fois. On bote sangolo botolo, on bote sangolo botolo. Alors la suite, écoutez. Je botolo chilo boachi. La fin c'est quoi? Aliyanje. Joyeux anniversaire, on botine ça à l'autre. Normalement, anniversaire de Kumumba, c'est trop fort. Ça, c'est pour l'égoïste. Bon. On botine ça à l'autre. On botine ça à l'autre. J'ai de nos maisons ici à Pointe-Noire et au Congo. Est-ce que vous pouvez imaginer qui est-ce? Linda Photo. Nous étions à ses funérailles et notre frère, l'abbé Alain, devait faire parvenir cette croix à l'abbé Willy. Il m'a dit, je cherchais quelqu'un pour lui confier cette croix. Mais comme tu es là, tu pars demain au Congo, tu vas la lui porter. J'ai accepté, naturellement. Avec l'inquiétude de l'oublier ou dans la voiture ou à la maison et de ne pas le mettre dans les bagages. Combien d'entre nous ont été porteurs d'un pli qu'on vous a confié, que vous avez oublié, ou même parfois d'une commission simplement orale, et puis d'arriver de ne pas la transmettre. Et bien souvent même, vous vivez avec la personne pour laquelle vous avez porté le colis ou le pli, la vie est tellement belle que vous oubliez. Alors vous imaginez donc mon angoisse,
Et je me suis assuré, entre mon domicile et moi, si j'avais bien la clé, la croix. Et puis en arrivant à la maison, je me suis empressé d'aller ouvrir mon trolley. La croix y était. Monsieur le vicaire général, j'étais loin de penser que cette même croix que je portais, c'était pour que vous puissiez me l'offrir en ce jour, au lendemain. Comme quoi, merci. Vous avez fait un choix, celui du sacerdoce. Vous êtes nos bons bergers. Nous sommes tous dans ce gouvernement. Mais surtout, merci pour votre homélie. J'espère que ceux qui ont les multimédias l'ont enregistré pour qu'on puisse la transcrire, pour que chacun de nous puisse l'avoir à son chevet, parce que nous devons être un, nous devons être ensemble, nous devons être des chrétiens, nous devons nous aider. Je souhaite à tous une pleine et lumineuse sainteté. Merci. Descendent sur vous et ils demeurent toujours.